interview sur Mistral TV. Nous sommes ici au premier étage de la Cité du Chocolat Valrhona. Bienvenue à Talermitage et merci à Lucie Deliot de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes responsable animation ici à la Cité du Chocolat. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Et j'ai même envie d'ajouter tout de suite, le hasard a voulu que ces images soient enregistrées le 24 octobre 2016 et la Cité du Chocolat a ouvert ses portes le 24 octobre 2013. Bon anniversaire. Merci, on fête nos 3 ans aujourd'hui, 3e bougie. Ça tombe à pic, vraiment. Et nous allons donc découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors peut-être connaissez-vous déjà le rez-de-chaussée de la Cité du Chocolat. La grande nouveauté pour l'année 2016 a été l'ouverture le 1er juillet, cet été, du premier étage de la Cité. Donc vous avez tout simplement doublé l'espace de visite. C'est ça, oui, on est passé de 700 mètres carrés à presque 1400. Oui. Pourquoi vous vous sentiez un petit peu à l'étroit avec tout c'est ce qu'il ça, y avait à proposer? On se sentait un peu à l'étroit, on avait besoin de plus de place, prendre un peu de la hauteur, donc voilà, on a fait un nouvel étage. Et du coup, dans ce nouvel étage, il y a cet espace restauration. Oui, tout à fait. Avec un nom prédestiné d'ailleurs. Oui, le comptoir Porcelana. Porcelana, c'est une fève de chocolat rarissime, c'est ça? Tout à fait, c'est l'un de nos cacaos très rares, donc Porcelana del Pedregal. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à travers ce restaurant, ce comptoir, donner un nom d'un de nos chocolats favoris. Voilà, c'est une fève qui a d'ailleurs la couleur de la porcelaine. Tout à fait, qui est blanche, comme son nom l'indique. Qui est très rare, oui. Du Venezuela, oui. Vous voyez, j'ai appris un peu mes leçons avant de venir. Hein. Voilà, d'ailleurs, on va continuer la visite et l'apprentissage du chocolat parce que nous sommes ici et vous viendrez ici aussi pour connaître les coulisses de la création, de la fabrication du chocolat, mais pas seulement. Mmh. On mettra la main à la pâte aussi, notamment au premier étage. Quelles sont les nouveautés qu'offre ce premier étage? Donc au premier étage, on a un laboratoire de pâtisserie où là vraiment les visiteurs peuvent mettre la main à la pâte, fabriquer leurs recettes et repartir avec, déguster. Voilà, là vraiment on met les mains dans le chocolat, pleinement. Vous êtes responsable des animations, je le disais. Combien de personnes justement sont dédiées à cette animation, à ces visites? Alors à l'animation, il y a 9 animateurs et puis on a 4 pâtissiers également au niveau de l'espace de visite. Avec des temps forts, j'imagine, les vacances scolaires? Voilà, donc là on est en plein dedans, les vacances scolaires. On a reçu près de 900 visiteurs hier. Donc là, on va être pendant 15 jours bien occupés et on a fait des animations dédiées aux enfants, notamment avec des petits clins d'œil à Halloween. Le nombre de visiteurs en hausse constante depuis 2013. Tout à fait. Oui. Là, on est sur 300 000 visiteurs depuis l'ouverture, depuis 2013, et on ne cesse d'augmenter. C'en fait l'un des lieux les plus visités du département de la Drôme, finalement. Oui, tout à fait. Eh bien, on va faire un petit peu la visite à vitesse rapide, vitesse télévision hein, pour Mistral TV, avec donc la possibilité de découvrir quelques tons forts de cette visite et surtout vous donner envie de venir et puis évidemment croquer un petit peu. Hein. Ah oui, bien sûr, la dégustation, on déguste une bonne centaine de grammes de chocolat pendant la visite, voire plus. Voilà, les visiteurs peuvent vraiment profiter de déguster du chocolat. Allez, on va commencer la petite visite éclair et au chocolat évidemment et suivez-nous. Alors Lucie, parmi les nouveautés du premier étage, cet hommage, j'ai envie de dire, aux professionnels, ceux qui travaillent tous les jours le chocolat, les pâtissiers par exemple. Tout à fait, les pâtissiers mais pas que. On a voulu rendre un hommage à tous les métiers, tous nos clients, que ce soit du boulanger au chocolatier, au pâtissier, dans cet espace, vraiment voilà, leur montrer le travail, que ce soit de la pâtisserie de magasin à l'assiette du restaurant. J'ai vu des vidéos, notamment envoyé Luc Guillet, donc il y a vraiment aussi un accent sur les gens de la région finalement. Tout à fait, voilà, on a voulu que ce soit nos clients régionaux, mais pas que, mm-hmm. qui puissent diffuser leur savoir, vraiment leur passion pour ce métier. Là, vraiment, au premier étage, on est dans l'émotion. Au rez-de-chaussée, on était plus dans la pédagogie. Là, on a voulu changer un peu avec l'émotion. Les professionnels qui viennent faire des démonstrations ici, ils viennent travailler le chocolat de temps en temps? Oui. On a l'école du Grand Chocolat où les professionnels interviennent. La semaine dernière, nous avions Pierre Hermé qui était intervenant à l'école et qui forme des professionnels et également des particuliers. Donc, vous créez des vocations aussi ici? Oui, tout à fait. Il y a un stage de reconversion qui existe où les personnes peuvent venir pendant une semaine travailler le chocolat et éventuellement se reconvertir dans le métier. Lucie Deliot, on est dans un espace qui vous tient à cœur, qui tient à cœur l'entreprise Valrhona, parce que je parlais de cet anniversaire 2013, la Cité du Chocolat, mais l'entreprise, elle, remonte à 1922 ici à Talermitage. Hein. Oui. Donc là, on est dans l'espace Saga, où on a vraiment voulu témoigner de l'histoire. Vous avez toutes les étapes importantes de l'histoire de Valrhona qui sont retranscrites ici. Et puis, ce qui est encore plus émouvant, c'est les témoignages des personnes qui ont marqué l'histoire de Valrhona et elles ont voulu décrire un objet,
créer important pour à leurs yeux. Et voilà, donc on a vraiment les témoignages de personnes qui ont fait l'histoire de Valrhona. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Tain l'Hermitage ? C'est tout simple, c'était parce que c'était à proximité du Rhône. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'était un lieu facile au niveau de du transport des ouais. marchandises. Donc, Albéric Guironnet a choisi ce lieu pour créer d'abord sa chocolaterie. Donc on découvre l'histoire de cette entreprise Valrhona. Il y a bien évidemment des expositions, des collections, et puis une large place donnée à l'audiovisuel avec des casques, avec des projections. Oui, tout à fait. On a beaucoup de témoignages vidéo, que ce soit de nos planteurs dans les pays producteurs aux professionnels de la pâtisserie, de la chocolaterie et puis aux collaborateurs Valrhona qui témoignent de leur travail quotidien. Avec peut-être la difficulté dans la création de cet espace, c'est de captiver aussi bien les enfants que des adultes. Il y en a pour tout le monde. Oui, tout à fait. On reçoit de tout public, que ce soit des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Donc on a essayé de plaire à tout le monde. On va de la tablette tactile au témoignage audio, mais ça fonctionne avec tout public. Bon, regardez des images de la Cité du Chocolat sur une tablette, ça paraît logique finalement. On va continuer la visite, tout Lucie à fait. Allez. Allons-y. Alors Lucie, on va décrire un peu, bon, il y a des tas de visites à faire et puis surtout les cinq sens sont mis en action. On ne peut pas tout vous montrer sur Mistral Télé, le but c'est de venir nous rejoindre, notamment avec les odeurs ambiantes bien sûr de chocolat et puis la découverte qu'il y a une multitude de chocolats, il n'y a pas qu'un chocolat. Hein. Oui, tout à fait, là on est dans le comptoir des recettes et vraiment on fait découvrir les cinq sens, on fait travailler les cinq sens, on fait découvrir les recettes de chocolat et puis des petits jeux sur les a priori du chocolat au lait, du chocolat noir. Noir, blanc et également blond. Donc j'en dis pas plus, il faudra venir découvrir à la Cité du Chocolat le chocolat blond. Là voilà, on est sur les ingrédients qu'on peut intégrer au chocolat. Les visiteurs peuvent sentir et découvrir de quel ingrédient il s'agit. On fait vraiment travailler tous les sens. Ouais. Comme pour le vin, il y a des nez pour le chocolat. Oui, bien sûr, tout à fait. Parfum, on se rapproche beaucoup du vin. Donc nous, on est dans une région aussi où il y a beaucoup de vin et les gens connaissent. Donc on fait pas mal de liens avec la dégustation du vin puisqu'on parle d'arôme. On parle également de saveur et on parle de grands crus pour le chocolat. Donc on est vraiment sur des dégustations très similaires. C'est là qu'on découvre aussi qu'il y a plusieurs corps de métiers, hein, même beaucoup de métiers dans ce milieu du chocolat. On parlait des nez, la dégustation, la fabrication. Ça, c'est l'usine qui est à côté. On est à côté de la fabrication de chocolat. On est juste à côté. Donc là, on est sur le lieu historique de 1922. Et la chocolaterie est juste derrière. Donc il y a encore des machines qui sont là depuis 1922 avec lesquelles on travaille. Il y a des métiers qui sont des métiers vraiment professionnels. Vraiment, on a un travail artisanal. Les maîtres torréfacteurs, les personnes qui enrobent les bonbons, on est vraiment sur un travail manuel et artisanal. Et comme pour le café, il y a vraiment des gens qui font le tour du monde à la découverte de nouvelles saveurs. Bon, je ne vais pas faire l'allusion au gringo du café, mais c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu ça, on s'en rapproche. On a nos sourceurs qui parcourent le monde, la ceinture du cacao, pour trouver les meilleurs crus, les meilleures plantations et vraiment avoir un travail de fidélité et de confiance avec les planteurs. Il commence à y avoir un petit peu d'ambiance autour de nous parce que pas très très loin, il y a une possibilité de déguster différentes saveurs de chocolat. Il y a du monde tout de suite. Là, il y a du monde, beaucoup d'enfants en ce moment, parce que c'est bien sûr les vacances scolaires. Voilà, donc là, on profite, les gens peuvent déguster et on a toujours des belles moustaches chez les enfants, mais ils sont là pour ça. Il n'y a pas que les enfants, on va y aller. Non. C'est déjà la fin de la visite, en tout cas la nôtre, hein, la vôtre ne fait que commencer. Ici, le rendez-vous est donné à Tain l'Hermitage. Je pense que les Drômois, les Ardéchois connaissent le lieu. Il y en a qui viennent de beaucoup plus loin d'ailleurs. Oui, bien sûr, de toute la France et même de l'étranger. Ouais. Oui, on a des Américains, des Australiens, des Japonais. On a vraiment tout type de visiteurs. Avec la nouvelle clientèle aussi de gourmands, de gourmets, avec donc le restaurant qui vient d'ouvrir le 1er juillet dernier. C'est là où nous avons démarré cette interview avec, d'ailleurs on ne l'a pas dit, des spécialités, mais tout est à base de chocolat avec une touche de chocolat. Tout à fait, toutes les recettes sont à base de chocolat, c'est subtilement intégré, donc vraiment ça peut plaire à tous, ça plaît aux enfants également. On est sur des recettes de cocotte, parmentier, avec toujours une recette de viande, de poisson ou de légumes au chocolat. À découvrir également et à très bientôt ici à la Cité du Chocolat. Merci Lucie Deliot. Merci à vous. Merci pour la visite. Merci, j'espère que ça donnera envie à nos visiteurs de venir nous rejoindre. À très bientôt à la Cité du Chocolat. Moi je vais déguster maintenant. Allez.